Ah merde. La galère. Ah, la bonne galère. Et alors, du coup, en fait, ils se sont pointés, ils ont shooté la Les première deux porte. portes. Ah, les deux portes. Et les tourelles, elles ont réagi comment? Bah, on n'était pas là, on sait pas, mais on sait pas, on Parce sait pas. qu'elles ont pas l'air d'avoir bougé, elles sont encore bien droites, statiques. Et elles sont toutes Après, dans les intactes. options de faction, tu peux pas déclarer la guerre à telle ou telle faction. Et par défaut, elle tire pas. Ah, ça fait mal. Et l'autre, du coup, l'autre vaisseau mère. Ah, parce que là, j'ai loupé plein de trucs. L'épave du vaisseau mère, elle est toujours dehors? Ou là, vous l'avez Non, non, complètement. non, je l'avais entièrement démantelé début d'après-midi. Et bah, tu sais qu'ils se sont vengés sans le savoir, hein. La vidéo, elle est pas encore en ligne. Non, c'est un côté, ouais. Ça, je suis deg, deg, deg. Oh, mais c'est pas grave, on va se venger, là. Ouais. Ah, bah ouais. Ah, je suis choqué qu'il y ait des dégâts quand même. Bon, Faut après. qu'on fasse une escadrille de petits bombardiers et qu'on aille les shooter, je pense. Ah, va falloir, hein. C'est vrai qu'il va bien falloir. Ah, je suis dégoûté pour ce détail de faction là qu'on savait pas. Aïe, aïe. Ah, c'est pas grave, ils ont pas bougé toute la base non plus. Ouais, c'est vrai, Et mais puis bon. quel dommage que tu n'aies pas été là pour enregistrer, parce que là, ça aurait été, c'était vraiment grandiose, quoi, le truc, quoi. C'était du spectacle, mais il y en aura d'autres, va, t'inquiète pas. Et là, ce coup-ci, on sera pas sur la défensive, parce que. Par contre, leur vaisseau, c'était un espèce de rectangle avec tout mis à l'avant, là. Il était Ouais. vraiment vilain, quoi. Hein. Ouf. Et vous n'aurez qu'à dire, nous, on avait repéré votre vaisseau, on n'a pas voulu y toucher. Maintenant que vous nous avez attaqué, on est allé le remorquer et on a tout pillé. Sauf que dans la vidéo, on l'a pas présenté comme ça, je t'avouerai. Par vengeance. Parce que j'étais en pleine découpe et on faisait grave les fiers. Hein. On était là, on va les remorquer. Ça va être notre trophée. Oh merde. Écoute, moi j'ai trouvé qu'on s'en est bien tiré quand même. On a perdu que les portes, non? Et les tourelles de devant? Ouais, le CV quoi. Ouais, surtout ça. Toi, Ah oui, c'est vrai que t'en as pris le pôle de vaisseau a pris cher. c'est les portes d'hangar qui t'ont. Ça t'a fait un pincement au cœur. Ah ouais, le CV il était quand même bien équipé. Alors ça c'est notre petite station du coup. Ouais, par contre, elle est un peu trouée. Et peut-être qu'il a plus de générateur. Hein. Je sais pas. Bon, et ben en position. Il manque plus que toi, Didact. Si tu te sens. Ouais, je suis posé 2-3 tourelles. Destroyer, bon, il a pas l'air de. De venir. Ouais, pas pour le moment. Et en plus, le gars, il s'amusait à faire mes ailes en rose. C'est vraiment un salaud. Et après, il met sur le dos des autres, quoi. Ne pas oublier quand même que ça va passer en vidéo les couleurs. Hein. Ah, ah, ça rend cher bien. Allez, bah, faut que je participe. Là, Brut! s'il nous voit pas là. Allez, go, je vais me mettre en Ah, il y a position. 2 km. Pour moi, il bouge pas, il a 11,36 km. Ah, ça y est, t'es déjà parti, toi! Il fera zéro Il est près dégâts. de la base encore, ça va? Ah, il est à côté, 5%. Allez, on va pouvoir commencer à envoyer de la torpille. Téléguidé. Ah bah tiens, tu vas dire comment ça fonctionne. J'ai toujours pas compris. J'ai l'impression que c'est à tout droit. Ah mais là on devait pas essayer de l'utiliser, ça ne part. Allez, 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 moi je vous attends les mecs là. Vraiment, C'est maintenant qu'il faut le taper là. je suis déjà en train de le taper. Petite portion de bouclier. Je vais reculer un petit peu. Allez, Munition. on va retaper tout ça rapidos. Ouais, il a récupéré son bouclier, je crois. Oh, j'ai mangé, hein. Ah ouais, comme bouclier. Sinon tu verras un pourcentage à côté du nom. Là, c'est un monstre, hein. Oh là là. Et franchement là il a quasiment plus d'armes. Il est bien plus lent je trouve. Ah, et puis il tire que dalle. Il fait nettement moins de dégâts. Gilles, j'y pense, c'est que c'est pas les vaisseaux qui manquaient. Là, t'aurais pu prendre le Little Pax Mortis ou la capsule d'abordage aussi. Ah ouais? Je suis aussi en train de faire l'étendue des dégâts, mais ça va. Finalement, ça J'ai perdu pas mal. va. Allez, go, on va pouvoir y aller. Plus que 30, on va pouvoir commencer à te cogner dessus. 22. Oh, il tangue, hein. Il tangue à mort. Est-ce qu'on peut rentrer dedans là? Ah, il y a une porte ici à frapper. À l'arrière là. On va essayer de la cibler là. Oh, c'est ouvert. Ouais, wow, c'est pas du champ dedans. Ah, il y a encore une tourelle dedans. Là, je vais rentrer. Ah merde, faut que je stoppe le vaisseau. Non, on passe à travers quand on veut rentrer. Ah, c'est vrai? Ouais, bah c'est comme ça que j'ai foutu en l'air mon vaisseau. Ah. Donc on est obligé de le casser ce machin?
Ah ben la capsule abordage a été détruite, le Little Pax Mortis détruit. Ah il t'a flingué là? Ah ouais. Par contre il bouge plus. Hein. Ah il bouge plus. Il bouge plus, il bouge plus. Ah on peut bien rentrer. Vas-y on y va le pied. Ouais, ah, je vous attends. Ouais j'arrive en jetpack. Allez dites-nous qu'on va pouvoir le récupérer. Ah bah ouais, à partir du moment où on peut rentrer dedans. Là. Bien. On lui pourra mettre un noyau. Non, mais on passe toujours à travers le vaisseau. Ouais. Ah, attends, mais c'est gilou. Avec sa couleur, je crois que c'était un conteneur alien très rare. Ouais. Ça alerte. En tout cas, on l'a pulvérisé. Quoi. Ouais, mais bon, on se fait chier. On a pris ni expérience, ni le vaisseau. Du coup, on fait quoi? On le pille? Ouais, c'est parti, hein. Oh là là, où ça fait mal cette merde? Radiation, endoparasite, plaie infectée. Ah, bam, c'est que du bon ça. Ça ah, c'est ouais. Que du bon. Alors celle-ci elle est belle. Hein. On va aller voir ça de plus près. Du coup, on va terminer un peu notre session de minage. Et ce soir, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller raid une équipe, la team Aglagla, puisqu'elles sont les prix. Tout d'abord à nous, ils se sont pointés, je crois qu'il y avait deux vaisseaux, donc deux joueurs qui nous ont attaqués. Ils ont profité du fait que par défaut dans le jeu, les factions sur un serveur, donc c'est un paramètre à bouger, mais par défaut, eh ben, les factions sont alliées, donc du coup, ben, nos tourelles n'ont pas tiré sur les fameux vaisseaux. On s'est fait détruire des vaisseaux mères. Après quoi, le lendemain, on a également l'autre team, donc c'était... la team de l'équipe Marais qui ont également subi des conséquences. Donc c'est les Antesum qui ont également été victimes d'attaques d'Aglaglad. Donc ce soir oui on s'est dit parce que alors, du coup la team Ant ont perdu très gros. Ils ont perdu des grosses ressources dans leurs conteneurs. Certains de leurs vaisseaux mères qui ont été détruits. Ils ont perdu des petits vaisseaux. Enfin j'ai pas tout le détail de ce qui s'est passé. C'est suite à des échanges. Et ce soir on s'est dit on va unir nos forces. Et on va leur donner eh ben, une bonne leçon. Wouah, je l'avais pas vu. Alors ça c'est pas mal. Une vue sur cette planète, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ah ouais, ah, elle est flashy, hein. Vraiment. Elle est simpliste, mais ça rend tout de suite très très bien quand même. Sacrée petite lune, bien sympa. Ah, vous l'avez blindé de tourelles, hein. C'est vrai que... vous avez exploité toute la place. Bon allez, moi je suis me placer là. Normalement on aurait dû venir avec le deuxième pareil. Hein. Ah c'est con qu'on peut pas donner un nom d'alliance. Sinon c'était l'alliance de la vengeance. les vengeurs. Quoi, ils sont où? Ah, chez eux ça hein. Bah je sais pas, il y a un vaisseau de Clem. Bah ça c'est pas ce qu'il est en train de faire la base. Hein. Il est dans la base lui. Il doit être en train de se faire la base. Hein. Ah yeah, je l'entends, ça tirait sur des bêtes. Donc là il est en train de se faire son petit legacy, se faire de l'expérience, il a dû poser son vaisseau. Bon bah allez, c'est parti. Sinon il faut aller à la base. Faut la trouver quoi. Je l'ai. Ah, je vais lui fumer son vaisseau. Ouais, au prix du vaisseau comme ça il pourra pas rentrer à la base. C'est ça. Oh y'a toujours rien dedans. Je voulais aller à la Il est mort. Ouais, c'est bon, ouais. Tout le monde suit bien, là? Ouais. Ah, ok, ouais, si, ça va, ça suit. De toute façon, sur Terre, y'a rien qui tire à plus de 300 mètres, donc vous pouvez approcher. Allez, let's go, ça a l'air canardé de partout, oh, ils sont blindés, ils ont de la défense, de port. Oh la vache, ils ont monté des portes. Ah ouais! Bah, ils savaient qu'il y aurait une représaille. Nous, il n'y avait rien quand on était venu la dernière fois. Ouais, moi aussi, ouais. Putain, ils ont un putain de bouclier à la con en plus. Waouh! Ah putain, non, j'ai perdu mon propulseur arrière, super. Ah, puis il y a un brouillard. C'est vraiment pas le truc qui aide. Ouh.
Oh, t'as pris cher. T'es mort. Oh, je vais m'écraser. Mayday, mayday. Ah, y'a un chien qui est avec un vaisseau. Ouais, oh, c'est fait poutrer, oh. On a plus rien déjà. Bah, on a deux vaisseaux de moins, je pourrais récupérer un vaisseau léger. Ah, ouais, ça allume. Je suis sur un petit vaisseau là, hein. Je suis en train de. On s'attaque tous les deux là. En fait, ils ont fait trois bases différentes. C'est ça, pour brouiller les pistes. Bon, je démonte tout sur le vaisseau, je laisse rien. C'est ton gros vaisseau aussi, il est mort? Non, non, c'est le petit vaisseau, ça. Les gars, on peut creuser. Non, ils ont pas mis une revendication de terrain. Je suis à 100 mètres sur la base. T'es où, toi, Didact? Je suis à la petite base, sur le côté, j'ai pété la porte. Attends, mais je suis devant ton vaisseau. C'est ça. Je suis sur le bord de leur base principale. J'ai un tunnel qui ramène directement dans leur base. Tu as été comment encore? Foreuse. Ouais, mais il y a un bouclier. Ouais. Oh, mais putain, passage pour le vaisseau. Ah oui. Ah, mais comme on a fait avec les Irax, hein. Ouais, c'est ça. Une deuxième foreuse. En fait, ce qui serait pas mal, c'est de nous rejoindre. À vous, je sais pas où vous êtes. Gilou, t'es où? Je suis sous l'eau, près de leur base. Ah, écoute. Je me noie. C'est une idée. Pas du tout, je me noie pas, je suis en train de démonter le vaisseau qui m'ont tué. Ouais, c'est moi qui tire à la gâchine. Yes, Keta. Oh, tu m'as fait peur. T'as quelques trucs, toi, sur toi? Je suis à poil. T'as pas d'arme? Ouais, genre une foreuse, une petite arme. Ah, foreuse. Oh, si tu veux, je peux te passer ma foreuse. Un outil multifonction. Oh, je cherche l'entrée, quand. Non, c'est quoi qui tire, là? Je sais pas. Ah, putain, on doit se faire plomber le cul, là. Non, c'est moi qui tire. D'accord, je cherche l'entrée du tunnel. Non, non, il tire sur mon vaisseau. Pardon. L'entrée du tunnel, elle est à l'avant-droit du vaisseau. Non, non, il y en a un qui tire ouais. sur notre Didact. Ah ouais, je vois, c'est bon, j'ai vu. On se fait allumer notre vaisseau, là. Putain, j'ai plus rien à bouffer. On m'a tout piqué, en plus. Ah merde, y'a plus de cockpit. 35%. Prends sérieusement, tu vas me prendre pour un con, toi. 5% de bouclier sur la base principale. Merde, putain. Attention. Allez, tire, allez, tire. Le mec, dans un petit vaisseau, il me fait plus de dégâts que moi, je lui en fais. Son bouclier, il tient bien mieux. Base ouverte, on a les fours. Vas-y, pillez tout, pour le moment, Clem, il est sur moi. Avec son petit SV, il a fait mal, hein. Ouais, je crois qu'il a foutu en l'air le mien et tout. Combinaison verte, c'est avec nous. Yes, oui. Ouais, il a explosé mon vaisseau. Cor, j'ai le curseur en bleu, c'est qui? Ah, les bâtards, ils ont pillé mon sac. Le problème, je sais pas qui est qui, c'est la merde. Ah, c'est chiant, ouais. Je respawn là où je suis mort, quoi. Mais toi, c'est toi qui m'as battu. Non, non. Ah, putain, mais ouais, mais on sait pas qui c'est qui. Bah, ouais, c'est. J'ai vu que Arsenic, il mettait en joue, qu'il jouait avec lui, et. J'ai dit, c'est bon, j'ai un angle de tir. Je l'avais dit, hein, de mettre des couleurs par faction. C'est vrai qu'on aurait dû. Y a une tourelle là-haut. Elle est où la tourelle? En haut à gauche, en haut à droite. En haut à gauche et en haut à droite, ouais. Y'a une bonne faille, hein, là où on était là. Mais bah ouais, Clem. On est rentré dans la base, hein. On est rentré dans la grosse base en bas. C'est ça, sauf que Clem il est bien stuffé. Bah, il faut y aller à plusieurs ouais, phases. Ouais, ils m'ont tué, ils ont piqué tout mon équipement. Ah, oh, je me retrouve dehors. Oh, oh. Bah, le problème c'est qu'ils nous piquent toutes nos armes à chaque fois là. Ouais, ils ont piqué toutes mes armes, j'ai plus rien. C'est qui ça? Je suis rentré dans le tunnel. Je suis rentré dans le tunnel. Ah putain. Je suis défoncé. Putain, je vais crever de faim, non mais sérieux. Ah mais c'est une toile qui tire. Ah non, c'est moi. Ouais, c'est nous, ouais. C'est nous. On rentre. Ok. Ah, le sac à dos de Clem. Oh yes. Oh, il est grave stuffé.
Allez, je prends un peu d'armes. Derrière. Non, c'est moi. C'est ah moi, oui, c'est vrai. Ah, je connaissais pas le petit verre alors. Tiens, vas-y. Ah, oh, merci. De toute façon, j'arrive, hein, j'arrive vers vous là. Tiens, 4000 balles aussi. C'est toi le blanc ? Je sais pas quelle couleur j'ai. Ouais, c'est lui en blanc. Oh, le hangar, il est violent. Ah, t'as vu le nombre de fours qu'ils ont ? C'est impressionnant. Oh, regarde. Regarde tous les constructeurs, petits constructeurs. Ça, c'est pour faire des lingots. Mais ils sont où leurs CV ? Ils sont gavés les ports, hein. Je sais pas. Oh, j'avoue. J'aimerais bien piquer leur vaisseau bleu là, il est beau. Voilà, un vaisseau en moins. Ya. Yeah. Oh, la boucherie, hein. Je peux rapprocher le CV alors ? Non. Ah non, parce que l'étoile tire encore. Hein. Bah normalement non, j'ai plus le cœur. Hein. Ah, de la base ? Vous avez cassé le cœur de la base ? Ah ouais, on peut la piller. Sérieux ? Oh, trop bien. Ah mais... Mais il était où ? Mais par où vous êtes rentré ? Par un souterrain. On l'a croisé. D'accord. Dans un tunnel. Elle est champion des tunnels, les gars. Ah grave, ça marche tout le temps. Bah ouais. Pourtant, on n'y a pas pensé. Vous êtes hein. au courant maintenant, mais faut faire des revendications de terrain. Bon, bah, de toute façon, vous faites des vidéos, vous expliquez tout au fur et à mesure. C'est pas compliqué, les gars. Ouais. Regardez les vidéos. Mais surtout qu'on en parlait quand on pillait la base d'Irax. Hein. La revendication. Eh bah, tant pis. Oh, c'est quoi ça ? Oh là là ! C'est quoi ? J'ai récupéré la base. Ah, mais yes ! La base est à nous, donc les toiles doivent tirer, je sais pas sur quoi. On a pris la base, les gars. Trop fort. Et les mecs, ils enterrent les propulseurs hein, dans les vaisseaux. Hein. Normalement, ils devaient rester à l'air libre. Hein. Ils les enterrent. Non, ouais, c'est le bloc. Il faut un bloc dégagé derrière le propulseur. Non, non, non. Et là, y a, là où tu es, il y avait le propulseur. Tiens, regarde, tu vois avec les grilles là devant. Il y avait le là où tu es, il y avait le propulseur pour reculer et le propulseur pour avancer. Ah, c'est grave des. Ouais, alors ça c'est les trucs que je déteste, les vieux coups de Trafalgar de... Comment contourner une règle. Ah, ils sont au milieu, ils sont au milieu du vaisseau les... Ouais et puis ils ont mis un espace entre juste derrière. Ouais voilà c'est ça. Donc t'as... Ouais, génial. Donc les vaisseaux, les réacteurs ils sont au centre et bah, tu peux pas les atteindre quoi. Ouais ils jouent pas le jeu quoi. Non, ils jouent pas le jeu. Donc c'est vrai qu'ils ont profité de pas mal de trucs. De toute façon je leur ai dit que je leur laissais rien. Il est là le cœur. Ah ouais. Ah ils ont fait un truc comme Batman, ils sortent par la... Par la mer. C'est par ça. La... Par la caverne, d'abord la caverne et ensuite la mer. Bah ouais, c'est tous les vaisseaux sont fonctionnels dans la flotte. Voilà, je leur laisse le vaisseau comme ça avec des trous, comme ça, avec un puzzle, voilà. Comme le mien. C'est ah. beau comme vaisseau, comme ça. Ah merde. J'adore. Oh. Oula, gros. Bon là. Il y a à bouffer dans cette base ? Parce que j'ai faim. Ah, c'est vous qui avez accès à la base, c'est pas nous. Oh bah t'en bouge pas. Parce qu'est-ce que vous voulez ? Champagne ? Allez, que le personnel s'amuse. Ration de survie. Où ça, par terre ? Par terre, ouais. Oh bah, 96. Rien que ça. J'ai une grosse faim. On a du mal à en faire 10, nous. Ah, ils avaient une quantité de ressources, c'est impressionnant. J'ai il arrive. Putain, vous avez fait un vachement de tunnels, en fait. Il y en a partout. C'est un bordel. Les corps, faut pas lui confier une foreuse, hein. Il s'amuse avec, il sait plus s'arrêter. Oh, c'est impressionnant, il y a des trous partout. Ah non, mais là, qu'est-ce qu'il y a d'en rajouter des tunnels ? Maintenant, je suis perdu, moi. Ouais, c'est un bordel. Il y en a qui ont essayé de creuser. Pff, ça mène à rien. Ah, oh, c'est chiant. Oh, non, c'est peut-être là. Foreuse, ouais. Écoute, on va percer. On va s'en refaire un nouveau. Wow. Ah, bah, on se fait allumer, oh. Il y a au moins une douzaine de grosses tourelles et des toutes petites. Ouais, il y a beaucoup. Il y a vraiment gros. Ça fait mal. Ah, je sais pas. Un petit hamburger pour faire passer la douleur. Je suis pas inspiré. On pourrait continuer de s'approcher comme ça. Mais... Ah ouais, moi non plus, je suis pas inspiré du tout. Ouais. Ah, il y a Didac là-bas, oui, exact. Ah oui, ouais, ok. Il fait comme la dernière fois. Ah, mais il fait comme la dernière fois. Il est en pleine action. Eh bah, écoute, on va faire ça, on va essayer de les rejoindre.
Oh. Ah bravo. Une fois que c'est pas un de chez nous qui a tué. Donc c'est bon, tout est désactivé. Allez, on peut piller les gars. Ouais, et pour bien séparer, toi ils ont fait plusieurs noyaux. Mais ils ont pas mis de revendication territoriale. Grosse erreur. Grosse erreur tactique. Ah mais il y a encore les tourelles ici. Hein. Ah, une jambe pétée. C'est cool. Tourelle lance-roquette. Allez, on est. J'ai des bandages si vous voulez. Mais n'empêche, le nombre de tourelles qu'ils ont fait. Impressionnant. Oh, bah ça sert à ça les blocs de liaison non. À distance, non non, les blocs de liaison, si je dis pas de bêtises, c'est que tu peux accéder à ta base ou à tes conteneurs de loin. De super loin. C'est ça. Augmente la portée de 100 mètres. Étant donné qu'ils ont la base sous l'eau, ils peuvent tout faire en surface. Ah mais il y avait des squatteurs hein. Quand tu vois les bonnes idées qu'ils ont eues. Ne serait-ce que mettre la base au plus bas possible de la map. Bon messieurs, nous on va décoller en tout cas. Maintenant on va voir les dégâts de notre côté. Bah je pense qu'il n'y a plus rien, on est à poil. Bah, on tient au courant. Ouais bah oui, et eh ben ok, on se tient au courant mutuellement. C'est bon, j'ai réussi. Alors du coup on va vivre dans notre vaisseau mère quoi. Comme des gitans en caravane. Les manouches. Ah c'est ça, tous. Tous. Vous voulez une caravane? Ah c'est bon, on en a une. C'est bien, vraiment. On est arrivé, elle a pas l'air d'être endommagée. On a nos tourelles, on a tout. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi on n'a pas pu respawn. Non, mais finalement, la base, elle est là, quoi. Ouais, j'ai des bombages sur moi, si tu veux. Pourquoi on n'a pas pu respawn? Il prend peut-être en compte le fait qu'on a attaqué quelqu'un pour éviter qu'on revienne vite fait à la base, récupérer un autre vaisseau, un truc dangereux. Bizarre, mon vaisseau est de travers. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas des caméras dans le jeu. Pourquoi? Eh ben, tu... Tu peux mettre des caméras sur ton vaisseau, sur ton truc, te retrouver loin et puis quand même suivre d'un œil ce qui se passe à certains endroits stratégiques. Ah oui, t'as mais oh, j'ai le réflexe de monter et aller bichonner mon vaisseau. Plus rien. C'est vrai. Moi aussi. On va récupérer tout ce qu'il y a dans le vaisseau mère. C'est ça. Là, je crois qu'il va attendre qu'on ait quitté pour venir chez nous. Ouais, mais après, ouais, mais elle met 5 à 6 minutes pour s'enclencher. En 5-6 minutes, il va pas réussir à pénétrer la base. Ouais, oui. Ça serait bien d'en rajouter, effectivement. Ça l'a inspiré.